Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le JT de la grosse émission. Beaucoup d'actu. Très peu d'infos. On ouvre tout de suite ce journal avec le fait du jour. L'ensemble de la rédaction déclare la guerre aux cheveux cassants. Et aux pointes sèches. Gastronomie, selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, la viande rouge serait cancérogène. Ouais, bah ça m'empêchera pas de manger une entrecôte avec mes frites, moi. Bah, vous pouvez très bien prendre du poulet avec vos frites, Patrick. Ça va pas, mais taille celle-là. Non mais, la formule à 13,80, c'est œuf mayo, entrecôte, frites, crème brûlée. Ah bien sûr, après je peux partir, mais évidemment, sur une autre formule. Mais alors là, je suis dans une merde. Vous allez voir que bientôt, on va nous dire que fumez-tu. Ah, que les portables font des ondes. Que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Que coucher avec sa petite nièce, c'est illégal. Que... Politique. Jean Rocasse tire un trait sur la politique. J'espère que c'est au marqueur. Jean-Marie va avoir de Le Pen. Pas besoin, il n'a plus de cheveux. Le peigne. Oh, elle est bonne. Elle est bonne. Oui, mais elle fait pas le ménage. Oh, elle est très fine. Mais elle passe pas sous la porte. Hommage à toi, Jean Roucas. Racisme toujours. Un sosie de Johnny Hallyday rejoint la liste FN de Florian Philippot pour les régionales en Alsace. Oh, Marine, si tu savais. Oh, putain, j'adore le zouk. Pardon. Fait divers, un camion chute en Ariège. Un camion chute en Ariège. Ah non, je l'ai pas, celle-là. Vous l'avez pas quoi? Bah, la contrepétrie, là. Mais quelle contrepétrie? Eh bah ça, là, un camion chute en Ariège. Ah, c'est con, d'habitude, je suis fort, ça. Chute toujours. Au Blanc-Ménil, un homme pousse sa femme du 7e étage. Il est ensuite descendu armé d'un couteau dans le but de l'achever. Ils étaient apparemment mariés depuis seulement 8 jours. Vous savez, 8 jours, ça peut être très long, Patrick. Un peu comme ma bite. Tennis. 15-40. Faute. Allez. Gros chagrin. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée européenne de la dépression. En signe de solidarité, Patrick et moi-même allons respecter 10 secondes de déprime. Ou alors, si je prends la formule à 13,50, tu m'échangerais ton brugnon contre mes lichis? C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. C'était Aude-Gonny Goubert. Et Patrick Chanfray, surtout n'oubliez pas que toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bisous.